Eh bien, donc bonjour à vous quatre, parce que Fred, voilà, je le connais aussi, donc ça fait cinq. Mais voilà, donc vous quatre, donc Jean-Claude, Karine, Ludovic et Valérie pour l'instant. Donc Luigi Sansonetti, moodleur assez reconnu dans la communauté et faisant partie de e-learning Touch. Voilà, c'est assez logique qu'on vienne présenter des petites fonctionnalités, des petites aides comme ça de façon purement gratuite et mise à disposition dans le cadre de la continuité pédagogique et voilà, on espère être utile et tant que possible on fait les choses. Voilà. Donc là aujourd'hui on va voir les critères d'achèvement et le suivi des étudiants parce que le critère d'achèvement va nous permettre d'avoir une traçabilité des activités des étudiants dans son espace de cours. Alors, ce n'est pas du tout un gros mot que de dire la traçabilité, c'est juste pour savoir qui fait quoi à quel moment, pour éventuellement revenir sur ses actions et s'adapter ou adapter sa programmation ou s'adapter aux étudiants s'ils vont trop vite, s'ils vont trop lentement ou s'il y a des problématiques. Avec des petits critères d'achèvement mis en place, on peut vérifier et repérer des petits phénomènes comme ça. Donc c'est pas très compliqué, on peut s'en servir assez facilement. On peut s'en servir ou pas, mais les avoir activés, ça peut être aussi pratique. Donc on va voir un petit peu ça. Alors déjà, est-ce que vous quatre, vous avez utilisé ce genre de critères d'achèvement? Est-ce que vous mettez en place ce genre de suivi au niveau des parcours des étudiants ou des traces laissées par les étudiants ou les apprenants? Le temps que je mette mon partage. Alors, est-ce que vous utilisez les critères d'achèvement chez vous? Pas encore. Oui, pour Jean-Claude, d'accord. Et pour Karine et Valérie, vous savez, vous le mettez en place ou pas encore? Ou vous ne savez pas à quoi ça peut correspondre, plus simplement. Après le webinaire au cas où. D'accord. Donc il me faut être clair sur la façon de le faire et sur l'utilité. Bon. Alors, est-ce que déjà vous voyez mon écran? Où il y a trois espaces de cours bien distincts entre l'aide en ligne, parcours et démo webinaire. Est-ce que Karine et Valérie, vous êtes toujours ici? Oui, pour Valérie. Ok. Et Karine, ça va toujours? Est-ce que vous avez un partage d'écran déjà? D'accord. Mais là, c'est bon. Tout le monde voit. Pas encore Karine. Alors, peut-être encore un petit problème avec Karine. Bon. Curieux. Bon, c'est pas grave. On va essayer de faire. Et au pire, de toute façon, comme toujours, il y a les replays. Donc oui, le chat est parti sur le côté, oui. C'est vrai que moi j'utilise deux écrans, ce qui est assez pratique pour la gestion à droite du panneau de contrôle et à gauche de tout ce que je vous mets à disposition. Bien. Alors, ici je suis enseignant sur ma plateforme, j'ai des espaces de cours et je vais mettre en place dans mon espace de cours de webinaire ce qu'on appelle l'activité, enfin le suivi d'activité. Déjà pour être sûr d'utiliser l'achèvement d'activité pour inclure le suivi des activités et de la participation des étudiants, il faut que cette option soit activée au niveau système par l'administrateur de la plateforme ou le gestionnaire. Si vous n'êtes pas sûr que ça fonctionne, alors oui, alors désolé, je vous avais perdu. Donc il n'y a pas de souci, Karine. Tant qu'on se retrouve, c'est très bien. Mais oui, j'utilise des critères d'achèvement pas bien, je trouve. Il n'y a pas de mauvaise utilisation, c'est juste des questions d'habitude et de savoir ce qu'on peut faire avec. Donc il n'y a pas de souci, on va voir ça.
Donc, pour savoir si on peut l'activer et surtout pour l'activer, il faut aller dans les paramètres de son espace de cours. Et tout en bas, on a une zone qui va s'indiquer suivi d'achèvement. Si on a la zone, ça veut dire qu'au niveau système, c'est activé. Si on n'a pas la zone, ça veut dire que ce n'est pas activé au niveau de la plateforme générale, donc il faut le demander au besoin à l'administrateur. Si c'est activé, on a la zone et on l'utilise ou pas. Donc moi, j'ai fait en sorte de l'utiliser dans mon espace de cours. Je le mets sur oui, évidemment. Pour l'instant, vous voyez que mon espace, il y a des ressources, il y a des activités, il y a des sections. J'ai des participants que j'ai mis de côté sur leur visuel et leur navigateur pour vous montrer un peu comment ça se passe aussi au niveau des étudiants. Pour l'instant, je n'ai mis aucun critère d'achèvement. Un critère d'achèvement, c'est tout simplement un point de repère qui va nous dire si telle activité ou telle ressource a été achevée et donc complète à partir d'un critère. Une ressource, par exemple, c'est achevée à partir du moment où on clique dessus pour l'ouvrir. Si on clique dessus pour l'ouvrir, c'est a priori pour parcourir le contenu du document. Une activité, selon l'activité, ça peut avoir plusieurs types de critères. Par exemple, un test, pour dire que j'ai achevé mon test, je vais avoir une note. Donc le critère d'achèvement, ça sera une note donnée automatiquement avec les fonctions du test. Si c'est un forum de discussion, ça peut être, par exemple, un message posté ou une discussion qui a été lancée. Et ça sera un critère d'achèvement. On peut combiner, en fonction des ressources ou des activités, des critères. Le forum, par exemple, on peut avoir un critère d'achèvement basé simplement sur le fait de lancer une discussion. Ou alors, on peut complexifier les choses en disant, je veux avoir comme critère d'achèvement le lancement d'une discussion et la réponse à une autre discussion. Ça, on pourra le compléter. Est-ce que pour l'instant, ça va? Donc, pour la mise en place des achèvements, on va activer le mode édition et on va mettre en place, par exemple, pour ce petit document de guide des outils Moodle, je vais aller dans les paramètres de cette ressource. Puisque nous avons activé le suivi d'achèvement au niveau de notre espace de cours, on a une nouvelle zone pour chaque élément, achèvement d'activité, et on va pouvoir là régler les paramètres. Par défaut, le suivi d'achèvement est fait sur ne pas afficher l'état d'achèvement. Donc, il n'y a pas de critère actif. Ensuite, on peut avoir un critère qu'on va appeler manuel, un déclenchement manuel. C'est-à-dire que c'est l'utilisateur lui-même qui va déclarer avoir fait les choses, avoir terminé les choses. C'est du déclaratif. Ça peut être bien, comme ça peut être trompeur. Ça peut être bien parce que nous, on n'a pas d'autres problématiques à choisir. Est-ce que c'est une note? Est-ce que c'est une note à partir de 20? Est-ce que c'est tel déclenchement? Non. C'est manuel, c'est libre arbitre de l'étudiant. Donc ça peut être bien, ça peut les motiver aussi à parcourir et à se rendre actifs dans son parcours, enfin dans leur parcours, les étudiants. Mais ça peut être trompeur parce qu'ils peuvent ne pas voir la coche, ne pas voir que c'est à déclenchement manuel. Par exemple, ce document-là, je vais le laisser en manuel. Et dans l'espace de cours, vous allez avoir maintenant un petit picto pour dire ça, c'est un critère d'achèvement. Et quand on passe la souris dessus, le critère est indiqué comme étant manuel. Donc il faut que l'étudiant clique dessus pour valider l'achèvement de cette ressource. Donc c'est pratique pour intégrer un petit peu l'action de l'étudiant. Mais la coche manuelle est un peu trompeuse dans le sens où on peut très bien cocher sans avoir parcouru le document. Donc c'est que du déclaratif. Moi, je préfère personnellement utiliser les déclenchements automatiques qui sont sur des critères de clic, de log ou d'action. Donc ça, je vais le modifier, il n'y a aucun problème, on peut mettre en place des éléments et les retirer et les modifier. Donc là maintenant, je vais faire un achèvement automatique dès que c'est terminé en fonction des conditions qui sont remplies. Puisque c'est une ressource, il n'y a pas d'autres
condition que l'affichage qui est requis. Donc, pour faire en sorte que le document soit achevé par l'étudiant de façon automatique, on demande à ce qu'il soit affiché. Ça, c'est automatique. Et vous voyez que la coche est toujours présente, mais cette fois-ci en pointillé. Ça veut dire que si le carré est plein, c'est une coche manuelle qui est attendue. Si c'est en pointillé, c'est automatique. Par exemple, un étudiant. Je vais basculer l'affichage. Hop, voilà. Là, je suis un étudiant. Est-ce que vous voyez bien l'étudiant? Le compte test 1. J'ai normalement remplacé l'écran. Très bien. Donc là, vous voyez que on a la ressource et tout à droite, un petit carré pointillé. J'ai beau cliquer dedans, il ne s'affiche, enfin, il ne se coche pas parce que c'est automatique. Donc, je vais parcourir la ressource qui est un guide des outils Moodle. Il est disponible, hein, sur la page des webinaires, je vous rassure. Et à ce moment-là, quand je rafraîchis, c'est validé. Ça veut dire que j'ai achevé la lecture de cette ressource. J'ai accédé à cette ressource. Donc pour moi, c'est achevé. Pour l'enseignant, c'est marqué comme achevé. Mais je pourrais toujours y retourner pour le consulter de nouveau, et ainsi de suite. Ça, là-dessus, il n'y a pas de blocage en soi. Donc là, j'ai mis en place une coche automatique à l'ouverture du document. Maintenant, pour le test, je vais faire aussi en sorte que le test contienne un critère d'achèvement de façon automatique. Donc je reviens dans les paramètres du test, je vais mettre en place l'achèvement automatique du test, et là j'ai plusieurs réglages en fonction de ce que c'est. Je peux tout simplement utiliser l'affichage du test. Donc à partir du moment où l'étudiant va dans le test, c'est marqué comme achevé, mais il peut très bien y aller puis ressortir sans faire le test, donc ça ne m'intéresse pas. Si c'est un test, c'est qu'il y a des corrections et des questions autocorrigées, donc il va y avoir une note. Donc je fais en sorte d'avoir une note obtenue par l'étudiant pour valider la complétion de cette activité de test. Et ça peut me suffire. Je peux très bien aussi dire avec une note de passage requise. Là, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre d'autres petits critères. Par exemple, je mets en place un test et ils peuvent le faire un certain nombre de fois, mais tant qu'ils n'ont pas la note pour passer, ils vont le faire et ça sera marqué comme inachevé. Une fois qu'ils auront la note obtenue, la note minimale de passage, alors ça sera achevé et ils pourront passer à autre chose. Là, je ne mets pas de note de passage, je mets juste une note requise, ça veut dire que je demande à l'étudiant de faire le test jusqu'au bout pour passer aux choses après. Voilà. Donc là, on met en place des petits critères pour nous, enseignants, pour dire que ça, c'est quelque chose d'important, j'aimerais savoir qui le fait, qui ne le fait pas. Ça, c'est quelque chose d'important, je veux savoir qui le fait, qui ne le fait pas. Ça, c'est un document que je mets en place de façon complémentaire. C'est pas important, c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Donc, je ne vais pas mettre de critères pour voir qui fait quoi. Je pourrais de toute façon savoir si on l'a lu ou pas autrement. Mais là, ça veut dire que je ne vais pas mettre ce document dans les progressions de l'étudiant. Parce que quand on met en place nous, enseignants, des critères d'achèvement, ça veut dire que là, on met en place un certain nombre d'activités et de ressources à faire ou à faire faire par l'étudiant. Donc là, il y a deux éléments à faire. S'il en fait qu'un, il sera à 50% de son action. S'il en fait deux, il sera à 100% de son action. Est-ce que ça va jusque-là? Je vais vous montrer comment ça se montre au niveau de l'étudiant. Donc là, j'ai un cours avec des ressources, des activités, mais on ne sait pas combien il y a et à combien d'éléments on est au fur et à mesure du parcours qu'on fait dans l'espace de cours. Là, on a mis deux éléments en place. Ça veut dire que maintenant, l'étudiant va avoir une idée de progression pour son espace de cours. Là, j'ai un élément,
Je rafraîchis parce que je ne l'ai pas fait. J'ai un deuxième élément, je l'ai déjà fait. Donc là, j'ai fait tous les éléments qui m'ont été demandés de faire. Ça veut dire que depuis mon tableau de bord, je vais avoir une idée de progression dans mon espace de cours. Dans cet espace de cours, il y avait deux éléments qui étaient à critère d'achèvement, donc à jauger au niveau du parcours, de la progression. J'ai fait les deux éléments demandés, j'en suis à 100%. Dans cet autre espace de cours, j'en suis à seulement 60%. Est-ce que je suis dans les temps? Est-ce que je ne suis pas dans les temps? Tout dépendrait éventuellement de la date de début du cours, du rythme imposé dans la progression de l'espace de cours, ou du temps qui me reste pour faire tel élément. Mais là, ça veut dire que ce cours-là, je l'ai terminé. Je peux toujours y accéder, reconsulter les informations. Ce cours-là, il me faut encore faire certaines activités pour le compléter. Et par exemple, un autre étudiant qui serait peut-être un petit peu plus en retard. Voilà, ça c'est un étudiant numéro 2. Tout le monde voit l'étudiant numéro 2 quand le test 2. Ok. Donc là, pour ce parcours d'aventure, je n'ai absolument rien fait. Donc ça, c'est un petit peu un problème pour moi pour m'organiser dans mon temps, par exemple. Et s'il n'y a aucune activité ressource à critère d'achèvement, il n'y a pas de barre de progression. Là, je sais que j'en ai mis depuis, donc je rafraîchis, et moi, j'en ai fait 50% seulement. Donc, moi, étudiant 2, je n'ai fait que la moitié de ce qui m'a été demandé. L'étudiant 1, il a fait tout ce qui m'a été demandé par l'enseignant. Donc là, moi, je n'ai pas lu, effectivement, le document. Alors, pourquoi ces petits critères? Ces petits critères vont indiquer effectivement déjà à l'étudiant quand il arrive dans son tableau de bord où il en est par rapport à la progression qu'on demande pour son espace de cours. Moi, je mets en place, par exemple, une vingtaine de documents et d'activités. Il y en a 15 qui sont obligatoires. J'aimerais que cela, que toutes ces activités, que toutes ces ressources soient vraiment faites, pour le suivi. Le reste, c'est du facultatif, donc je ne vais pas mettre de critères. Et en fonction de ce que je mets en place, je vais pouvoir vérifier si tout le monde suit et à quel rythme les éléments sont faits. Donc là, on a vu le paramétrage du cours, il faut l'activer. On a vu que pour les ressources et les activités qu'on veut mettre de côté, qu'on veut vraiment bien pointer, on ajoute des petits critères d'achèvement. D'accord? Et maintenant, on va essayer de voir comment on peut visualiser l'avancée des étudiants les uns les autres. Donc pour cela, il faut aller dans les paramètres de son espace de, enfin dans les paramètres d'administration du cours, et on a normalement un petit rapport qui s'appelle achèvement d'activité. L'achèvement d'activité va lister tous les utilisateurs de son espace de cours, toutes les ressources qui ont un critère d'achèvement. Et à ce moment-là, on peut voir qui a fait quoi. Par exemple, l'étudiant 1 qui lui est à 100%, ben effectivement, il a fait les deux ressources et activités. On peut savoir à quel moment ça a été fait. Donc là, ça a été fait effectivement à 14h16, donc en cours 2. Ça a été fait un petit peu après à 14h18. L'étudiant 2 n'en est qu'à la moitié de son parcours, et ainsi de suite. Donc là, quand on a effectivement beaucoup plus d'activités, de ressources, on a un tableau qui est un peu plus conséquent. Et ponctuellement, l'enseignant peut y jeter un œil pour savoir s'il y a effectivement des étudiants en difficulté parce qu'ils sont que au tiers du parcours alors que tout le monde est aux deux tiers. Si tout le monde a tout fait sauf deux étudiants, bah, il faut peut-être s'intéresser à leur cas à eux parce qu'ils ont peut-être des problématiques matérielles ou c'est des ressources qui sont trop complexes pour eux. Si maintenant il y a un étudiant ou deux étudiants qui ont vraiment tout fait alors que tout le monde est au dixième de son parcours, là on peut s'interroger sur la fréquence de validation, parce que si c'est fait juste par des clics, peut-être que le contenu n'est pas forcément bien intégré dans le cerveau de l'étudiant. Donc ça c'est effectivement très bien pour le tutorat, pour savoir si en tête-à-tête ou pour la gestion des petits groupes, s'ils ont fait les choses en temps et en heure, si tout le monde a été informé de ce document-là, voilà. Si tout le monde l'a lu, c'est qu'au moins l'information est passée.
Ça peut être bien pour repérer ou des phénomènes de décrochage potentiels, bien sûr, parce que là c'est que de l'interprétation, hein, mais c'est là c'est que des critères visuels qui nous disent que voilà. Après, il faut aller dans le creux pour pas pour l'utilisation des critères d'achèvement comme suivi des étudiants et des actions. Donc ça peut être pratique. Est-ce que ça va pour l'utilisation des critères d'achèvement comme suivi des étudiants et des actions des étudiants? Est-ce que ça vous semble intéressant pour au moins ceux qui ne l'avaient pas utilisé ou qui avaient l'idée de l'utiliser sous peu? Eh bien voilà, côté enseignant, ce qu'on peut faire, on met en place des critères et on visualise qui a fait quoi. Et ça, c'est assez simple de mise en place. Maintenant, moi j'ai mis d'autres documents qui me serait utile de classifier comme important. Donc je vais rajouter des critères d'achèvement. Comme vous avez vu, quand on rajoute ou quand on crée une activité ou une ressource, c'est tout en bas, c'est facile. À la création, on le fait, c'est pas bête. Si maintenant on a déjà un ensemble de documents ou un ensemble d'activités déjà faites et qu'on veut ajouter ces critères, on peut éventuellement le faire un par un, modifier, paramètres et la zone. Alors, bien sûr, Moodle a évolué, évolue en fonction de tous les usages que tous les utilisateurs de Moodle font dans le monde, et il y a des améliorations qui se font et qui sont intégrées dans Moodle. Ça, au moins, c'est très bien fait, parce que maintenant, on va pouvoir gérer en lot les critères d'achèvement. En fonction de votre version, vous pourrez le faire. Je crois que c'est à partir de la 3.3 que ça a été ajouté en lot. Il me semble, donc ça fait 2 ans, quoi. 2, 3 ans. Donc là, on va, toujours dans l'administration de son espace de cours, on va avoir un nouveau menu qui sera modifier les réglages d'achèvement du cours. Et là, maintenant, suivant vos versions, maintenant on a 3 onglets. Alors, ici, vous avez l'indication achèvement du cours. Et on a mis en place des critères d'achèvement au niveau des ressources et des activités. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre les deux? Allez, cette fois-ci, c'est moi qui vous pose une question. Est-ce que vous avez une idée entre achèvement de cours et les critères d'achèvement activité-ressources? Ou pas du tout? A priori, vous n'avez pas d'idée, pas de... D'accord. Alors, donc on a des critères d'achèvement qu'on met au niveau des ressources et des activités. Je clique sur la ressource, elle est achevée. Je fais le test et j'ai une note, c'est achevé. Ces critères-là, bien sûr, ça va faire la barre de progression pour l'étudiant. Il en est à 100%, il en est à 50%. De sa progression, de son espace de cours, c'est très bien. Maintenant, tous ces critères, toutes ces ressources, toutes ces activités qui ont un critère d'achèvement, on peut s'en servir pour faire en sorte d'avoir un critère d'achèvement au niveau du cours. Parce que si moi je fais toutes les ressources, ça veut dire indirectement que j'ai fait tout le cours, que j'ai fini mon cours. Et donc on va pouvoir mettre en place aussi au niveau du cours un critère d'achèvement. Voilà, j'ai fini mon cours et donc il va basculer automatiquement comme étant fini. Parce que comme vous le voyez, ici on a la vue d'ensemble des cours, 0%, 50%. Et si je fais en sorte d'avoir un cours fini, il sera à 100% et il disparaîtra de l'affichage de l'étudiant et il sera marqué comme fini directement de son tableau de bord. Mais ça permet d'avoir aussi un critère, voilà, j'ai achevé mon cours. J'ai tout fait, donc j'ai achevé mon cours. Et à ce moment-là, le critère d'achèvement du cours se base sur tout ce qui a été mis en place dans son espace de cours. J'en ai que deux. Bah, je peux faire en sorte que tout mon cours, que mon cours respecte tous ces critères-là.
Alors, on peut ne pas utiliser tout ce qui a été mis en place dans son espace de cours. Parce qu'il peut y avoir des choses pour lesquelles on va mettre un critère d'achèvement. Je veux que ça fasse partie de la progression, mais je ne veux pas que ce soit un critère déterminant pour l'achèvement de son espace de cours. Donc, il y a des petites nuances qu'on peut utiliser entre les critères d'achèvement des activités, des ressources, et l'achèvement du cours. Donc, c'est assez subtil. Prenez le temps. Je sais que moi, j'utilise rarement l'achèvement d'activité au niveau du cours, mais surtout au niveau des activités de ressources pour le suivi des étudiants. Ça va pour cette petite distinction? Ok. Alors, dans le deuxième onglet, on a ce qu'on appelle l'achèvement d'activité par défaut. C'est-à-dire que là, on va avoir pour chaque activité ressource disponible dans Moodle et donc dans son espace de cours, même si ce n'est pas existant, on peut se dire que voilà, si j'ai envie, alors je vais répondre à la question de Ludovic après, si j'ai envie de mettre en place un devoir dans mon espace de cours, je vais déjà ici paramétrer par défaut les critères d'achèvement au cas où. Pour l'instant, je n'ai pas mis en place de devoir. Mais au lieu de faire, je vais créer un devoir, je vais mettre en place tel critère. Je mets un deuxième devoir, je mets en place le même critère. Je mets un troisième devoir et je remets en place le même critère. Si je sais que je vais utiliser l'activité devoir, que ce n'est pas encore disponible, je vais mettre pour mon espace de cours des réglages par défaut. Donc là, par défaut, pour l'activité devoir, je demande à ce que le participant remettre un fichier pour achever l'activité. OK. À partir de ce moment-là, je vois déjà quel est le critère par défaut pour l'activité devoir. Et quand je vais créer un devoir, par défaut, il y aura ce critère d'achèvement activé. Je n'aurai pas besoin de le régler à chaque fois que je rajouterai un devoir. Alors, on pourrait finir le cours à 80% des activités, par exemple. Oui et non. Je vais vous montrer à la fin, quand j'aurai un peu plus de critères, pour vous montrer. Donc Ludovic, je garde la question sous le coude, n'hésitez pas si je l'oublie. Donc là, je règle par défaut le type d'activité devoir et les critères. Je n'ai pas encore de devoir. Si maintenant je mets en place un devoir, là je vais avoir effectivement le critère qui va correspondre. Voilà, je rajoute un devoir de base. Voilà, devoir rendre. Et tout en bas, je vais avoir par défaut déjà activé, déjà réglé, je n'ai plus qu'à enregistrer. Terminé. Et donc là, il y a toujours la coche, c'est super. Maintenant, comme je vous ai dit, j'ai déjà mis d'autres documents. Et eux qui ont déjà été créés n'ont pas de critères. Et je vais les rajouter en lot. Donc là, il y a le troisième onglet qui concerne la modification en lot de l'achèvement d'activité. Et là, ça liste uniquement tout ce qui est déjà disponible dans son espace de cours. Vous voyez que ce document n'a pas de critères et que ces deux documents n'ont pas de critères. Donc pour ces deux-là, oui, ces deux-là, je vais rajouter un critère. C'est le même type de ressources, ça tombe bien. Donc là, je vais faire en sorte d'activer ce critère-là pour ces deux éléments-là. Donc là, ça veut dire que si vous avez déjà un certain nombre de documents que vous avez oublié de paramétrer les réglages, c'est pas grave. Vous les listez, vous les cochez et vous faites modifier en lot. Quand il s'agit d'une même ressource ou d'un même type d'activité, c'est facile, c'est le même critère. Si je choisis de modifier en lot l'activité test et le devoir, il n'y a pas forcément les mêmes critères, donc ça sera peut-être plus délicat. Mais vous pouvez, et je vous conseille, de les faire famille par famille. Donc si vous avez déjà des ressources en place, tout n'est pas perdu, on peut le faire en lot plutôt que un par un. Donc là, j'ai mis en place, je vais peut-être enregistrer, non, c'est bon. Normalement c'est bon, parce que je l'ai enregistré tout à l'heure. Oui. Donc maintenant, il y a cinq éléments pour lesquels j'ai mis un petit critère. Donc bien sûr, ces cinq éléments, a priori, si je vais dans l'achèvement d'activité, tout le monde ne les a pas fait.
Alors, semble plus rapide que de passer en mode édition. Alors oui, bien sûr. Alors Ludovic, pour la deuxième question, ça semble effectivement beaucoup plus rapide de passer en modification en lot plutôt que en mode édition, puis de modifier l'activité même pour un seul. Ça dépend du nombre d'éléments que vous avez. Parce que si moi j'ai 15 fichiers de type PDF ou doc, 15 ressources texte à télécharger ou à parcourir, je ne vais pas faire 15 fois les paramètres. Je fais une modification en lot, je sélectionne tout. Si par la suite, effectivement, c'est plus des activités de type test, sondage, devoir, peut-être que en passant par l'activité une par une, c'est peut-être plus rapide parce que c'est des choses qui sont différentes. Donc ça, je vous laisserai le libre arbitre. Moi, je sais que j'utilise ça pour vérifier, parce que ça permet aussi d'avoir, c'est très bête, mais est-ce que dans mon espace de cours, tout ce que j'ai mis en place a un critère d'achèvement et lequel? Là, on vérifie en une seule vue tout ce qui a été mis en place. J'ai tous ces éléments-là qui ont des critères, oui, ça correspond. Ah, celui-là n'est pas bon, donc je vais le modifier. Celui-là, il est en place, ok. Celui-là, il est en place, ok. Donc ça permet de lister un petit peu, de vérifier avant si tout est bien mis en place. Petite attention à apporter. Au niveau système, on peut mettre en place des réglages par défaut. Soit c'est activé, soit c'est pas activé. Si c'est activé par défaut, c'est automatique ou manuel, mais sans critère de distinction, parce que c'est par défaut pour tout. Donc c'est soit manuel pour tout, soit c'est le critère par défaut pour chaque. La problématique vient de l'étiquette. Une étiquette, c'est un simple ajout de texte ou un élément visuel ou une petite image qu'une a priori ne nécessite aucune activité de l'étudiant. Pourtant, il y a quand même un critère d'achèvement, parce que ça peut être utilisé pour quelque chose de très poussé. Et ça, on verra effectivement jeudi, je crois qu'on voit ça avec les restrictions d'accès. Si par malheur ou par erreur, par défaut, il y a un critère actif au niveau d'une étiquette, c'est dommage parce que on ne pourra rien faire. Une étiquette, c'est juste un élément de texte. À 99%, l'étudiant ne sait pas que ça, c'est visuel, et qu'il faudrait éventuellement cliquer dessus pour l'achever. Par exemple, là j'ai mon étudiant test, là j'ai mon étiquette, ça me présente quelque chose dans mon espace de cours, c'est une image, ben, c'est bien, je la vois. Donc j'ai pas besoin de dire que j'ai achevé de la voir vu que je la vois. Et en fait si, parce qu'il y a un petit critère à droite. Donc pour éviter ça, et c'est là où la gestion en vue, lot, fonctionne bien, c'est que pour les étiquettes, c'est toujours problématique de les mettre en achèvement. Donc en général, on fait ça quand elles sont existantes. Je les modifie en lot, ne pas afficher. Et à ce moment-là, pour l'achèvement d'activité par défaut, tout ce qui est étiquette, c'est désactivé par défaut. Voilà. Ça, c'est assez pratique. Alors, si l'étiquette a un lien hypertexte web ou vers une section. Alors ça, effectivement, si on utilise une étiquette avec un élément texte ou icône plus un lien, et que le fait de cliquer sur le lien pour nous enseignants, c'est important et on veut avoir un critère, soit on fait une étiquette et en dessous une ressource de type lien, l'étiquette pour présenter le lien et juste la ressource lien qui, elle, a son propre critère, on peut, ou alors effectivement, oui, il y a des ressources URL. Ou alors de mettre effectivement la case à cocher dans l'étiquette, mais là il faut bien être sûr que l'étudiant voit la case à cocher ou qu'il comprenne il faut cliquer dessus pour l'achever. Et donc oui, il y a une ressource de type URL, qui est un simple lien qu'on va rajouter. Par exemple, je vais faire un lien vers le Covid. Hop, le nom c'est webinaire. Webinaire, le lien. Hop, vers la page et l'achèvement, ben c'est une fois que ça sera l'affichage requis. Voilà. Et donc là, je mets à disposition des étudiants un lien
vers un site, vers des documents, mais il y a un critère. Et ça, c'est l'étiquette qui peut présenter, à la rigueur, le lien qui est juste en dessous. Voilà, liste des webinaires. Voilà. Hop, il n'y a pas d'achèvement pour l'étiquette. L'étiquette présente le lien. Et au moins pour l'étudiant, il aura une information qui n'est pas critériée et le lien qui lui sera critérié. Voilà. Donc oui, j'ai bien activé, j'ai bien fait. Je suis allé consulter la ressource qui m'a été demandée de faire. Est-ce que ça répond en partie à Ludo et à Karine? À Karine. Non, pas Karine. Au moins Ludo et à Valérie, pardon. Ok, donc maintenant, Karine. Alors, quid des résultats si certains apprenants avaient déjà terminé? Ah, alors. Bonne question. Donc là, on a effectivement fait des choses au niveau des ressources, des activités. Par exemple, j'ai mis pour les deux derniers documents des critères, l'étudiant ne les a pas encore faits. Donc je vais le faire de la part des étudiants. Voilà, j'ai découvert quelque chose qui m'apprenait à utiliser l'atelier. Et ici, j'ai obtenu un certificat sur l'administration de Moodle. Donc là, l'étudiant a fait les choses. On peut vérifier effectivement, quand on va dans achèvement d'activité, que les étudiants ont bien fait les choses. Donc là, l'étudiant a bien parcouru les deux ressources. D'accord? On le sait. C'est super, c'est marqué. Si maintenant, pour ces éléments-là, je me dis, bon, en fait, non, ce n'est pas du obligatoire, c'est du facultatif, c'est pas grave. Parce que quand on revient dans les critères d'achèvement, il y a un message d'alerte. Attention. Comme quoi Moodle est bien fait. Il nous dit, attention, cette activité qui contient un critère a déjà été terminée pour une personne ou X personnes. On peut déverrouiller ces critères-là. Ça veut dire que ça va annuler un petit peu l'enregistrement des éléments et on peut le changer. Donc après, si on ne l'active plus, il ne fait plus partie du rapport. Voilà. Il ne fait plus partie du pourcentage à suivre par l'étudiant. Il y a une activité en moins. Donc au lieu de 100%, voilà. Mais on peut le remettre. On peut le remettre. Hein, ça, c'est pas gênant. Après, il faut faire attention. Parce que puisque ça efface, peut-être que la personne aura à recliquer dessus. Donc ça, c'est faut bien voir avant pour la mise en place et si on a besoin ou pas. Donc faut faire attention. Donc c'est vrai que, par exemple, si c'est un critère de test, ça n'effacera pas la tentative de l'utilisateur, ça n'effacera pas le devoir qui a été rendu par l'utilisateur. Mais ça effacera l'enregistrement comme quoi ça a été achevé par l'étudiant parce qu'il a fait ça et ça. Voilà. Est-ce que ça va, Valérie? Du coup, là, Karine, je me trompe dans les lignes. Est-ce que là, ça répond? Et là, vous voyez, l'étudiant l'a déjà fait. J'ai désactivé la complétion. J'ai remis la complétion, et donc pour moi, bah, il ne l'a pas fait, vu que depuis que je l'ai remis, il ne l'a pas parcouru. Voilà. Donc il faut réinviter les étudiants, voilà, suite à la mise à jour du document, je vous invite à reparcourir le workshop Overview 3.8, par exemple. Alors, enfin, donc là vous avez vu, vous avez 2, 4, 6 critères. L'étudiant peut très bien en avoir fait 5. Voilà, moi je suis étudiant 1, j'en ai fait 5. Je n'ai pas fait le devoir. Je n'ai pas fait le devoir. Donc par là, je vais essayer, je dis bien, je vais essayer de répondre à la question donc je remonte, de Ludovic, finir à 80% des activités. Là, j'ai 6 activités que je demande à faire par les étudiants parce qu'elles me semblent intéressante, pertinente, obligatoire pour le suivi. Je vais maintenant décider
d'un critère d'achèvement de cours. Pour moi, le cours va être complet à partir du moment où toutes les ressources sont consultées. Allez. À partir du moment où toutes les ressources sont consultées, pour moi, le cours sera considéré comme achevé. Les activités, c'est juste un contrôle de connaissances. Bon, c'est comme ça. C'est une idée, hein. Pour moi, donc, la seule consultation de toutes les ressources me suffit pour dire que s'il lit tout, il a achevé son cours. Donc, je sélectionne tout sauf les activités. Elles sont critériées parce que pour moi, c'est quand même intéressant de voir qui a fait quelle activité. Parce que s'il ne fait pas le devoir, il y a peut-être un problème, je vais voir avec lui. S'il a fait le test mais qu'il n'arrive pas à avoir la note, eh bien, je vais peut-être revoir avec lui les notions, les difficultés sur lesquelles il bute. Donc là, je mets en place que, par exemple, l'achèvement d'activité sur les fichiers. Et si tous les fichiers sont parcourus, pour moi, le cours est achevé. Ici, l'étudiant numéro 1. Je vais rafraîchir pour savoir ce que j'ai fait. J'ai tout fait sauf un fichier. J'ai fait aussi une activité, mais je n'ai pas fait le devoir. Donc là, a priori, mon cours n'est pas achevé parce qu'il me manque un fichier, une ressource. Mon étudiant 2, vous me dites hein, si ça va toujours, ou si ça va plus surtout. Ça va toujours pour l'instant? Surtout, il faut me dire hein, si ça va trop vite dans la bascule des éléments. Donc là, l'étudiant 1 n'a pas parcouru toutes les ressources, il n'a pas fait toutes les activités, mais au moins une. Mon étudiant 2, il n'a fait que une activité, mais il n'a rien fait d'autre. À ce moment-là, dans le suivi d'achèvement, puisque j'ai activé le critère achèvement de cours, je vais aussi avoir une information un peu plus loin sur qui a achevé le cours ou pas. Donc là, vous voyez qu'il me manque des éléments. Et par exemple, je vais faire en sorte que celui-ci, ouais, non, je vais juste faire le numéro 1. Voilà, le numéro 1, il manquait juste un document. Je fais le document. Très bien. Donc j'ai normalement achevé mon cours parce que j'ai lu toutes les ressources, mais je n'ai pas fait un devoir, une activité. Pour moi, étudiant, je vois que j'ai des cases à cocher. Je les fais ou pas. Et je sais que mon cours est à 80%, 83% terminé par rapport aux activités et aux ressources qui ont un critère d'achèvement. Ce n'est pas la complétion du cours achevé comme l'enseignant l'a demandé. C'est juste que j'en suis à 80% de tout ce qui est présent dans mon espace de cours à faire. Donc là aussi, c'est la petite nuance. J'ai 80%, enfin j'ai 83% de fait. Il me manque des éléments. Mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas valider la complétion de mon cours, parce que mon cours est basé sur les critères de ressources et pas d'activité. Ça Et là, en tant qu'enseignant, j'ai un petit rapport sur les achèvements de cours, distincts d'achèvements d'activité. Et là, où j'ai mon rapport d'achèvement de cours, je n'ai que les éléments qui sont retenus comme indispensables à l'achèvement du cours. Ici, le contexte, il a fait tout le cours, et là, il y a un petit programme qui tourne en général, c'est ce qu'on appelle le cron, et donc tous les jours, il se met à jour pour dire que oui, il sera affiché, achevé, ou c'est toutes les 5 minutes, ou toutes les 10 minutes, suivant le réglage. Mais ce n'est pas parce que l'étudiant n'a pas fait le devoir qui a un critère d'achèvement qu'il ne validera pas son espace de cours, son cours. Parce que dans mon critère d'achèvement de cours, je ne mets que certains éléments. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des différences de pourcentage. Donc ça peut être perturbant pour l'étudiant parce qu'il se dit bah, j'ai 83%, je ne l'ai pourtant pas validé. Si, il est validé parce que le 80%. Le 83%, décidément, je vais arrondir. Le 83% correspond à toutes les activités ressources
avec critère d'achèvement. Et le 100% de cours correspond seulement aux critères qu'on a mis en place et qu'on a retenus comme validant l'achèvement du cours. Est-ce que c'est clair? Parce que ce n'est pas toujours très clair. C'est des petites subtilités et des nuances qui font que. Alors, je voulais espérer quand même qu'au bout de 5 minutes, non. Donc, il faudrait que je lance le cron manuellement pour valider. Et donc, j'espère avoir répondu. Donc, voilà, c'est effectivement, c'est pas parce qu'on n'a pas répondu à tous les critères d'achèvement de toutes les activités ressources qu'on ne peut pas valider son espace de, enfin, son cours, sa progression dans le cours. Là, c'est tout est question de priorité. C'est-à-dire que je mets en place des critères visuels, des points de repère pour le parcours de l'étudiant, pour le suivi de l'étudiant, pour la progression de l'étudiant. Donc voilà, il a des choses à faire. Maintenant, parmi ces choses-là, lesquelles seront vraiment des critères déterminants pour valider la complétion de son espace de cours? Ça peut être que les activités et pas les ressources, parce que les ressources, c'est de l'entraînement et on veut voir s'il s'entraîne ou pas. Ça peut être que les ressources et pas les activités. Ça peut être toute la partie 1, mais pas la partie 2. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est tout ce qui est de votre ressort, de prise en compte d'éléments ou pas, et dans la progression, donc ça, c'est les critères d'achèvement des ressources et des activités, ou dans la complétion de son espace de cours, où là, c'est les critères d'achèvement de cours, qui bien sûr se basent sur tout ce qui est disponible et existant, mais on peut en sélectionner qu'une partie et pas tout obligatoirement. Alors, juste pour la fin. Pour les achèvements de cours, il peut y avoir aussi d'autres subtilités comme. Alors, je vais tout déverrouiller, c'est pas grave, hein, c'est pas gênant. Donc, on peut se baser sur des critères d'achèvement qui sont avec des ressources et activités existantes. Ça peut être un achèvement d'un autre cours, ça, c'est des combinatoires qui sont plus ou moins complexes. Ça peut être à partir d'une date aussi. Voilà, le cours est achevé à partir du moment où on atteint telle date. Ça peut être combiné. Il peut y avoir une durée d'inscription, des notes de cours. Voilà, à partir du moment où il a eu 18 sur 20 en moyenne, bah, voilà, il a achevé son cours. Alors, mettre un achèvement pour du présentiel, eh bien, ça peut être très simple. Parce qu'avec Moodle, qui paraît compliqué, on peut faire des choses très simples. Par exemple, le présentiel, comment. Alors vous faites un comment dire si ça peut être très simple, on va détourner quelque chose, on va faire une étiquette. Je me mets à la place de l'enseignant de présence, voilà. Je vais me faire à moi seul enseignant une étiquette. Qui sera effectivement, bon, je ne vais pas rajouter de dessin, c'est pas grave, qui sera juste une étiquette validation de présence. Je vais faire un achèvement sur les étudiants qui peuvent le marquer manuellement, mais je vais le cacher. Donc je vais cacher une étiquette qui a un critère de présence. Ça veut dire que l'étudiant ne verra pas l'étiquette. Donc, par défaut, ne pourra pas cliquer sur j'étais présent alors qu'il ne l'était peut-être pas. Et à ce moment-là, c'est vous qui pourrez décider qui est présent ou pas. C'est-à-dire qu'avec les récentes versions de Moodle, l'enseignant peut valider une complétion à la place de l'étudiant ou l'invalider. Donc là, j'ai mis en place pour moi, enseignant, un petit critère, une petite astuce de validation de présence avec une coche. Sauf que c'est moi qui vais la cocher à la place de l'étudiant. À ce moment-là, dans Achèvement, ici, j'ai ma coche pour la présence. Le test 1, il était présent. Je le fais pour lui. OK. Le test 10, il n'était pas, non, il n'était pas présent. Le test 11, il était présent à mon cours. Je valide. OK.
À ce moment-là, je sais que ces deux-là étaient présents et les autres non. Donc là, vous avez la main sur ces éléments-là. C'est une astuce. C'est un truc et astuce qui existe parmi des millions qu'on peut faire avec Moodle. Mais ça permet effectivement d'avoir aussi un petit critère d'achèvement basé sur du présentiel. Si vous faites l'appel en cours, comme moi je faisais, j'avais aussi un petit sondage avec la liste où, des étudiants, et puis je cochais la case. Sinon, alors si vous avez une activité qui s'appelle présence, bah c'est fait pour. Donc ça, c'est bien, mais c'est un truc à rajouter. C'est un petit plugin à rajouter. Mais là, de façon native, une étiquette, c'est standard dans Moodle. Critère d'achèvement, c'est standard dans Moodle. Et vous activez vous-même l'achèvement ou pas en fonction de là où il était présent ou pas. C'est tout. Donc c'est assez simple. Là, vous savez que vous avez les trois présents. C'est un exemple parmi d'autres pour valider l'achèvement avec du présentiel. Est-ce que ça répondait par rapport à l'acte présentiel ou par rapport à des activités faites en ligne, mais dans une salle de TD en présentiel? C'était surtout pour les présences des étudiants. En tout cas, si ça a répondu, eh ben c'est super. Alors, est-ce que vous avez des questions sur l'achèvement et le suivi? Alors, bien sûr, hein, tous ces tableaux sont exportables, CSV, Excel, pour en faire ce qu'on veut avec des filtres, il n'y a pas de souci. Ça, c'était un petit détail que j'avais pas précisé, mais voilà. Est-ce que ça va bien? Là aussi, on peut l'extraire. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, a priori, vous n'avez pas de questions, eh bien, je vous remercie de l'attention que vous avez apportée à ce webinaire un peu plus complexe, peut-être sur l'achèvement d'activité. Le prochain que je ferai sera le 16 sur les restrictions d'accès. Ça peut être utile de le faire parce que la restriction d'accès peut se baser sur les critères d'achèvement. Et à l'aide des critères d'achèvement, on peut faire beaucoup de choses sur des combinatoires, sur des parcours conditionnés, parcours conditionnels, comme on dit, sur des progressions automatiques des étudiants, des choses comme ça. Donc avec les restrictions d'accès, il peut y avoir un bon complément avec les achèvements, ça peut être intéressant pour vous, si vous êtes disponible, bien sûr. Voilà, la gestion des paramètres par lot, il me semble quand même que ça vient de la 3.3 ou 3.5, donc c'est une version qui est assez, qui est normalement assez ancienne, donc a priori vous devriez l'avoir de disponible sur vos plateformes si vous utilisez ça. Et c'est vrai que c'est pratique. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention, je vous souhaite encore une fois un bon courage pour la suite, puisqu'on est reparti pour un mois. Donc bon courage, prenez le temps de souffler quand même, et puis voyez tout ce qu'il y a de disponible à droite et à gauche, sur les réseaux sociaux, sur le hashtag continuité pédagogique que je suis aussi, sur Moodle, le forum de Moodle, sur les webinaires offerts par Learning Touch, et ainsi de suite. Voilà, donc merci à vous, bon courage, et continuez ce merveilleux travail que vous faites. Dans des conditions parfois difficiles, mais voilà. Donc merci à vous et à très bientôt et peut-être à jeudi.